Bonjour, on est du Nouveau-Mexique. Quelle intro. On est au Nouveau-Mexique, on est à Apache Trail dans le coin de la Gila Forest. Et cette nuit, il a fait moins 16, donc l'autobus était frosté, tout était frosté. Et nous autres, on était au chaud de chance. Fait que là, ben, il faut se préparer une coupe d'affaires là, quand il fait frais de même. Fait qu'on a préparé l'autobus. On a pris la peine d'aller parquer là, front sud, pour que le soleil fasse changer nos panneaux. Puis qu'il n'y ait pas d'arbre en avant. Fait qu'il a fallu magasiner notre camping. Puis il a fallu mettre là du fuel conditionneur dans le diesel. Là, parce qu'à moins 16, là, on va se faire jouer des tours, moi, qu'on va le décoller. Quand il fait? Ben, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Marie? On s'en va faire du Jeep. Du Jeep? Fait que dans le fond, on sait juste pas ce qu'on fait là. C'est ça, on improvise. C'est ça. Les forêts nationales, c'est comme les terres publiques. C'est bien différent de chez nous au Québec. Là. Ils aménagent des campings, tu sais, c'est gratuit, t'as une place pour te parquer, c'est sécuritaire, un bon accès facile. Check ça, toi, la grosseur des arbres. Cet arbre-là, il doit avoir. Il y a au moins 4 pieds de diamètre. Il est immense. Mais ils sont tous de même. C'est tous des gros pins. Puis, si je me trompe pas, ça, c'est des pins de Ponderosa. T'as souvent des tables de pique-nique, des places pour faire des feux, puis t'as des petites bécosses. Il y a aussi une trail là, qu'on vient de voir là, qui nous amène à des pétroglyphes. C'est à 0.25 mille de la route là, qui est juste ici à côté du camping. Fait que on va aller faire ça avec les enfants. Il y a une petite élévation, là, mais ça va leur faire du bien, un petit peu bouger avant de faire du jeep. Oui, oui, c'est ça. Vas-y. Vas-y, mon garçon. Ouais, la trail est en avant. Suis maman. Ici, là, c'est comme un bonhomme, regarde. Sa tête. Ça fait là. Ah, oh, ça fait partout ici. Hey, c'est ça. Hein? Ouais. Ouais, c'est roche. La caméra, elle filme ta face, mon bonhomme. Hein? Oh, ça va te brosser cette vidéo-là, hein? Es-tu correct? Es-tu correct? Es-tu correct? Fais des bye-bye. Je sais pas si tu peux aller. Hein? Ton doigt? Ouais, parce que ma droite, faut pas que ta brosse de main, ça va brosser en maudine. Regarde, au bout là. Ça? Ça? Je vais te mettre ça là. Google Maps est très utile. On se promène, puis là, on a vu qu'il y avait un peak, John Kerr Peak. Fait que là, on va aller là, on a notre coin. On peut pas le mettre. On va rentrer dans le GPS, puis ça dit qu'on va arriver dans 4000, je pense. 10 000. Puis tu vois, on est déjà à une altitude de 5000. 100 pieds, fait que le pic devrait pas faire chaud. En passant, la nature nous a laissé du beau bois pour faire un feu au camping. En plus, il est déjà débité un petit peu. Là, Jean-François fait de la place pour charrier notre bois.
notre petite récolte de bois. C'est pas sec. Tu souffleras pour le faire sécher. Peace and Ben. Sommet, mais finalement la neige nous empêche d'y aller. Il y a quand même pas mal de neige, puis il y a un arbre dans le chemin. Jean-François est rire. On est pas pris, là, mais on pouvait pas débarrer plus loin avec la. C'est l'heure de l'arrêt du nain au milieu du bois. Donc, avec notre bois, Jean-François fait chauffer l'eau. Faut se cacher du vent. Au menu ce midi, c'est du mac and cheese forever young. C'est bon les enfants? Je me demande qu'est-ce que ça a l'air. C'est quoi? On ne sait pas. Les autres ils disent que c'est du macaroni au fromage. C'est quand même bon. C'est un sac, je pense, c'est. Il me semble que c'est 6 piastres, celui-là. Puis on mange 4 dessus, là. Retour de notre rail de Jeep. Jeep était déjà sale, mais il est encore plus sale. Il y avait de la boîte à certaines places où c'était dégelé. Donc, des belles vitres. Ah, OK. Fait que là, on fait un petit feu. T'as dit qu'il fait pas trop froid parce que la nuit, il fait trop froid le soir. Fait que là, on en profite pour faire brûler notre bois trempe qu'on a fait. On a ramassé sur le bord du chemin. Florence, t'as-tu aimé ta journée? Oui. C'était le fun de faire du Jeep? Oui, mais j'aime pas aller chercher les guimauves. Non. Arthur! Arthur, toi, t'as-tu aimé ta journée? Oui. Papa, il a aimé sa journée? Maman, j'avais pas vu qu'il y a... Je prépare des frites pour asseoir. Que je fais réchauffer mon huile dans ma friteuse improvisée. Puis, on va avoir un beau casseau de frites. Fait qu'on va faire cuire ça sur la table de pique-nique dehors, là, pour pas que ça sente la graisse en dedans. Retourne.